D'ici, vous pouvez surveiller le moindre de nos concitoyens, Face. Kate a bien l'air d'être sur le toit. Il y a un hélicoptère qui approche, il va falloir faire vite. Salut, Face.
Jackknife, mais pourquoi? J'ai pas pu te garder. Je me contenterai donc de ta sœur. Qui t'a acheté, Jack? Disons simplement que j'opère des deux côtés du miroir. Tiens la gagne. Pourquoi nous? L'art de la guerre. Priver l'ennemi de communication. Les messagers, quoi. Et sans peau, sans les messagers, vos clients, ceux qui empêchent cette ville de tourner rond, seront coincés. Inoffensifs. Nous n'aurons plus qu'à ramasser les derniers déchets. Alors ce n'est que le début. Je préfère considérer que c'est la fin. Enfin, t'as fait du très bon boulot pour résoudre les énigmes qui entouraient la mort de Pope. N'est-ce pas? Ça m'a bien diverti. Tu peux pas toujours vivre sur le fil, Face! Un jour ou l'autre, tu devras sauter! Thank you.
victimes et blessé de nombreuses personnes à l'éclat. Selon l'un des collaborateurs du maire, l'attaque a provoqué une importante série de pannes critiques des nombreux systèmes de sécurité publique qui a pris le bâtiment, entraînant des dégâts dans l'éclat, mais aussi dans toute la ville. Les deux personnes suspectées de cette attaque terroriste ne sont autres que l'ancien officier de police Kate Connors et sa sœur Faith Connors. Bien que les causes précises de ce drame et l'étendue des dégâts soient encore incertaines, plusieurs questions troublantes ont rapidement fait surface, comme celle du rôle joué par les fameux messagers dans ces opérations visant à déstabiliser la ville. Suite à ce terrible accident, l'entreprise locale privée Pirandello Kruger assistera les forces de police dans leurs recherches et patrouilleront dans la ville entière. Pirandello Kruger et la mairie ont par ailleurs recommandé d'utiliser téléphone et ordinateur avec modération jusqu'à l'application de nouvelles mesures, en raison d'une sécurité temporairement insuffisante. La police ignore pour l'instant où se trouvent les deux suspects. Thank you.
Thank you.